Moteur. Action. Div Ciné. Auditeurs de Normandie, bonjour, Doudou au micro pour Div Ciné, la seule émission qui vous propose le programme du cinéma Le Dracard à Dives-sur-Mer en audio et bien sûr maintenant en vidéo. Vous allez sur YouTube et vous tapez Normandive TV. Nous voici arrivés à l'année 2023. Donc à tous les auditeurs, je vous souhaite à tous plein de bonheur. Et je vais vous souhaiter aussi plein de bonheur à tous les jeunes qui vont m'accompagner tout au long de l'année. Et pour commencer cette année, on va dire bonjour à Eva. Bonjour Eva. Bonjour Doudou. Bonne année à toi. Merci, à toi aussi. Et avec toi, il y a Chelsea. Bonjour Chelsea et bonne année aussi à toi. Merci beaucoup Doudou et bonjour. À la technique, nous avons Coco, Nolan et Angeline. Et le régisseur, évidemment, de toute cette charmante équipe, c'est notre ami Renaud. Chelsea, tu peux me dire les films qui vont passer cette semaine ? Pour la semaine du 4 au 10 janvier, le cinéma Le Dracard vous propose 3 films. Tirailleurs, Godland, Avatar, La Voix de l'eau. On débute cette sélection avec le 3e film de Mathieu Vatpied. Il nous entraîne dans un drame historique sur la Première Guerre. Les acteurs sont Omar Sy, Alassane Djong, Jonas Bloquet. Corporel. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan, vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Après cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français. En position, c'était la bande-annonce de Tirailleurs. L'histoire, 1917, Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thiénot, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble, galvanisés par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille. Thiénot va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain et sauf. Le film suivant est réalisé par le Danois Linur Palmason. C'est son 3e film. Il nous fera voir l'Islande à travers les yeux d'un jeune prêtre danois. De har fundet en deroppe, som kan føre jer sikkert frem. Og de siger, at folk derfra de har flere hundrede års erfaring med vejret, floderne og gletsjerne. Øen er helt anderledes end Danmark. Folk der, vejret, vinter er helt forskellige. Folk siger, at vulkanen den udsender en stank. Som om at jorden har skidt i bukserne. Jeg ved godt, at din opgave indimellem kan forekomme gigantisk. Denne elendige, ynkelige flok ensomme mænd. Gjorde det, og af den grund er ingen opgave umulig. Godland, à la fin du 19e siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission de construire une église et photographier la population. Mais plus il s'enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la tentation et du péché. Pour le dernier film de cette sélection, parlons d'une reprise au cinéma Le Dracard. Ce film était déjà projeté à la semaine de Noël. Si vous n'avez pas encore vu Les Êtres Bleus, mais non, je ne vais pas parler des Schtroumpfs, ils sont plus grands ceux-là. Je parle du dernier film de James Cameron, Avatar, La Voix de l'eau. Se déroulant plus d'une décennie après les événements relatés dans le premier film, Avatar, la Voix de l'eau raconte l'histoire des membres de la famille Sully, Jake, Neytiri et leurs enfants.
les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie. L'émission se termine, c'était la programmation pour le cinéma Le Dracard à Dives-sur-Mer pour la période du 4 au 10 janvier 2023. Je vais remercier donc l'équipe du jour qui était constituée. Donc on va commencer par la technique. Il y avait notre ami Coco accompagné de Angeline. À la caméra, c'était Nolan. Et au micro, il y avait Eva. Merci Eva de ta visite. De rien Doudou. Et avec toi Eva, il y avait Chelsea, merci Chelsea de ta visite. De rien Doudou, je reviendrai avec plaisir. J'aurais une petite question Doudou, comment on fait pour retrouver les horaires de diffusion? Eh bien Chelsea, tu vas au cinéma, là bien sûr tu trouveras le programme, tu peux aller le trouver chez certains commerçants et bien sûr tu peux aller sur internet, le site du cinéma et tu vas sur cinemaledracard-dive.fr et là tu auras le détail, les horaires et un peu plus. T'as plein de choses. Merci Doudou. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle émission. Et je vous dis à tous, bien sûr, bon film et bonne semaine. Merci. Poupée, c'est dans la boîte. C'est bon? C'est bon? Attends, c'est bon. Oh non. On débute cette sélection. Mais Eva... C'est pas possible. C'est bon? Est-ce que je peux parler? Lignure Palmason. Lignure Palmason. Ok. Et avec toi, Eva. Tiens, j'ai ma tasse. C'est du placement de produit. J'en peux plus, j'y arrive pas. Ah non, je peux pas faire ça. Ouais, bah si, si, mais tu verras, tu peux. Non, mais je vais me taper une barre. Non, mais t'inquiète, je pense que je l'avais fait. Mais Doudou, comment on fait pour les horaires de diffusion? Non, mais j'y fais vraiment ça ou pas? Tu fais comme tu veux. Vas-y, je fais. Est-ce que je peux dire bah Doudou? Ou genre Doudou? Bah Doudou, comment on fait pour les horaires de diffusion? Je sais que je vais pas faire ça. C'était une blague. Je fais comme ça. On va voir ce que tu vas me dire. Bah alors Doudou, fais comment pour les horaires de diffusion? Et donc Eva, avec toi, il y avait aussi Chelsea. Merci Chelsea de ta visite. Bah merci beaucoup Doudou.